coup d'envoi de cette cinquième journée de Super League ici à Perpignan, les Dragons catalans. Allez, Price qui écarte au maximum. Un bout de ligne. Allez, c'est pas mal. Bon, Olivier Lima. Olivier Lima. Ça tape un petit coup de pied. Olivier Lima face à ses anciens partenaires. Lui qui a porté les couleurs des Wildcats. Attention, on vous l'a dit, gare à ces deux ailiers parce que ça va très très vite. Oui, bien joué. Et ils jouent avec beaucoup d'assurance et de confort, ces joueurs de Wakefield. Oh, attention, il est passé. Aïe, il va remettre à l'intérieur pour l'essai. Oh, c'est imparable. Oh, il n'y avait plus personne à part l'arbitre. Parce que là, mauvais temps pour les dragons. Il a pu donner ce ballon. Oh, l'anticipation, attention, parce que là, il y a un plus en bout, il faut l'arrêter. Oh, mais comment il a défendu Mathias Pala. Là où Titi qui a donné ce ballon à Sykes, on la passe, il faut pas qu'il ait donné ce ballon, coupez-lui les bras, aïe, il a encore la balle sur l'extérieur, c'est bon, ça va aller en dame, on aura du mal à revenir, Dufort qui revient malgré ça, il s'est marqué par les Wildcats. Allez, cinquième et dernier, qu'est-ce qu'on fait de ce ballon? Pour qui le coup de pied? Bien joué! Dans le petit trou là, oui, essai pour Mathias Pala. Ah, les Dragons qui marquent! Et qui vont enfin sortir de l'ornière dans laquelle ils étaient depuis le début du match. On n'en parle plus, on vient à la mi-temps à égalité. Bon scénario, c'est simple. Oui, ah, très simple votre scénario. Il y a même un drop pour passer droit. Oui, c'est juste. Délicieux. Bien joué. Voilà. Pour Grégouli. Vous avez raison, Rodolphe. Vous avez raison. Oui. Ouais. Oh, bravo. Oh, la réaction. Et c'est marqué par l'équipe des Dragons catalans dans cette fin de première mi-temps. Première chose que je vais vous dire, c'est que vous êtes soft. Première fois que je vous vois soft de la nuit. Soft, pas d'un. Je vais au contact, je plaque dur ou je pour dur. Soft dans l'effort. Troisième, il est 2h30 à revenir. On essaie de sortir des ballons, on les perd et à la fin, on joue chez nous. Jouons chez eux, construisons la pression chez eux. Quand on est chez eux, on a marqué deux fois. Continuons à faire comme ça. Devant vos fans, si vous êtes soft comme ça, des choses qui vont pas. Mettez les bases pour les 40 prochaines minutes, s'il vous plaît. J'attends, peu importe le résultat. Je vais vous dire un truc, peu importe le résultat ce soir. De ce que j'ai vu, les 40 premières minutes de la saison comme ça, je ne veux plus jamais le revoir. Très beaux appuis au sol. Check devant Mathers. Allez, Mendy, il est passé. Allez, oh, oui, Daniel, oui, bravo Eloi, derrière la tenue. Il a été repris,
in extremis. Dernier tenu. Allez, c'est qui le dernier? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a égalité, 16 partout. Il monte une chandelle, Léon. Monumentale cette chandelle. Pas mal la chandelle de Léon. Ouh là là, ça y est. Allez, ça y est. Allez. Oh oui, oui, oui. Ouais. Et c'est marqué par Vincent Dupont. Et bravo. C'est marqué par Vincent Ah, Dupont. Il va demander la vidéo. J'en étais sûr, Rodolphe, pour savoir si les joueurs du côté gauche de l'attaque des Dragons n'étaient pas en position d'hors-jeu. En avant de qui? L'arbitre vidéo signale en avant de Thomas Bosque. Allez, quatrième tenue consommée déjà pour Wakefield. Oh attention! Oh là là! Oh aïe aïe aïe, plaquage qui a été raté! Ah, il faut vite le reprendre! Il est ralenti. À Washbrook, heureusement qu'il a été au moins ralenti, c'est déjà ça. C'est qui est dernier? C'est qui est dernier? Allez, là faut tenir, la passe de Sykes. Là où Titi, là où Titi, aïe 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 pour l'essai! C'est, oh aïe aïe, c'est pas possible! Ah, oh, c'est pas vrai, c'est de Lee Smith. Quel bel essai marqué! Genou au sol, dans la surface, un but. Oh, oh! Faute là sur Olivier Liba, la cage au haut. Oui, c'était cravaté. Il faut savoir mettre sur la table tous ses atouts. C'est le cas, vous le voyez avec Mounis, qui avait été servi par Henderson. On se rapproche, piano piano, de la ligne. Ce ballon qui va être bien joué pour Blanche, là-bas il y a le décalage. Blanche, oui. Il va aller marquer, oui. Le garçon va prendre, il ne l'a pas lâché. On avance, pendant ce temps-là, le chrono, il continue de tourner. On joue les 6 dernières minutes de ce match, 22-22 ici à Perpignan. Il y va y avoir, lui, un phénoménal drop peut-être tenté ici. Ouais, on s'est bien tenté, et ça passe. Oh, ça passe, oui, non, oui, oui monsieur. Oh, c'est magnifique. Allez, Price. Price, du calme, du calme, du calme, calmez-vous. Gardez ce ballon. Allez, Olivier Lima qui recentre le match. Bien au chaud. Oh, la casse-tête, pénalité. Transforme là, Thomas. Oui, les deux points. Allez, deux points là. Les deux points. Ah, qu'est-ce que nous tout le monde lève les bras et fait des... Deux points. Dans cette fin de match, jusqu'au bout, faut le garder ce ballon. On va pas faire de dentelle, Louis. On va vraiment bétonner cette fin de partie. Avec le courage d'un garçon comme Rémi Castille. Les Français qui sont en passe, là, de l'emporter face à Wakefield aujourd'hui, au terme d'un match. Essai marqué. C'est Mike Thierry. Je pense que c'est Mike Thierry. Victoire de l'équipe du Dragon catalan. Ça y est, c'est ça s'est enfin décidé.